Le guide interprofessionnel de gestion des mycotoxines est un document qui a été élaboré en 2009 par les membres d'Intercéréales, donc savoir les représentants des producteurs, des collecteurs et des représentants de la première transformation des céréales. Il y a différents volets dans ce document. Il y a un volet qui concerne la réglementation, de manière à ce qu'elle soit explicitée et de manière résumée pour les opérateurs. Il y a également un schéma en fait, qui représente les différents outils privé, public, et également des règles donc, élaborées par les membres de l'interprofession pour faciliter la gestion des mycotoxines et un certain nombre d'annexes, et également des fiches d'information par maillon qui décrivent en fait ce que les atouts et les contraintes et aussi du coup les solutions qui sont mises en place par les différents maillons de la filière. Le guide ça permet d'avoir des clés de langage qui sont communes. On a passé beaucoup de temps sur des définitions pour être sûr qu'un terme utilisé, employé, soit compris, soit utilisé de la même façon par l'ensemble des maillons, et ce qui réduit déjà pas mal d'éléments qui auraient pu être problématiques. L'évolution du document, elle repose essentiellement sur les retours qu'on peut avoir, notamment de la part des opérateurs, pour savoir si c'est un document qui est pratique, et essayer de voir quelles réponses on devrait apporter dans ce document qui n'existe pas encore. Et c'est également des retours par rapport à l'administration, savoir le regard qui porte sur ce document, donc l'évaluation et, du document, elle est en fait de la part des opérateurs et aussi de l'administration, même si c'est un document qui est privé, je le rappelle. Il a été convenu entre les membres de le relire régulièrement, donc au minimum une fois par an, parce que les membres sont dans une démarche de progrès continu, et donc l'objectif c'est de poursuivre le travail dans les mois et les années à venir. Alors le guide est un document qui a été diffusé par les membres d'Intercéréales. Il est aussi disponible sur simple demande mail à l'adresse contact qu'on trouve sur le site web d'Intercéréales. Il est envoyé gratuitement en format PDF. Il est important sur ce sujet de la gestion des mycotoxines, au-delà des connaissances qui sont très importantes, du partage de ces connaissances, que les opérateurs communiquent sur ce sujet, notamment pour l'adaptation des plans de contrôle. Vraiment, s'il y a un mot, c'est l'échange et la communication entre les opérateurs.